Les sauvages. Ils ne respectent donc rien. Les vandales sont aussi des voleurs. Ils ont pris l'opossum. L'opossum? L'opossum n'est plus dans l'arbre. Mais c'est un désastre. Une catastrophe. Une tragédie, un sacrilège. Mais qu'allons-nous faire? L'opossum est le totem de notre peuple. Et s'il n'est plus là pour nous protéger... Il faut le retrouver au plus vite. Kalulong nous dira où il se trouve. Kalulong? Vénérable Kalulong! Oh, le silence, mes kangourous! J'aimerais un peu de calme pour me concentrer! Pardonne-nous, vénérable Kalulong. Nous serons aussi sages que le petit koala dans la poche de sa maman. Évidemment, bien sûr que j'ai vu quelque chose. J'ai vu l'opossum, mes frères. Il est loin d'ici, très loin. On l'a emmené au-delà des océans pour l'enfermer dans une cage de lumière. Dans une cage de lumière? Et il pleure, oui. Il pleure, l'opossum. Sortez vos parapluies, chers auditeurs. En effet, aujourd'hui comme hier, les précipitations sont abondantes. Il pleut, oh, merci du scoop. On le sait qu'il fait un temps à rester chez soi. Nous allons à un vernissage, Fantasio. Pas un pique-nique. Raison de plus. Les mondanités sont plus ennuyeuses que la pluie un jour d'été. Et ce Nerville de Guibo n'est pas vraiment mon genre, figure-toi. Nerbeau de Kiville, Fantasio. Louis Ludovic Nerbeau de Kiville, propriétaire de l'une des plus belles collections d'art primitif du monde. Une collection? Un putain de voleur, tu veux dire. On dit qu'il a pillé les trésors archéologiques des 5 continents. Justement, ce qui m'intéresse, Fantasio, si on pouvait en savoir un petit peu plus. Bonjour, voici nos invitations. C'est bon, vous pouvez passer. Un temps de chien. Dites donc, vous ne pouvez pas tenir votre cerbère. Surveillez votre cochon d'Inde si vous ne voulez pas qu'il serve de pâté à mon Rex. Oh, c'est agréable d'être chaleureusement accueilli par des féroces molosses. Ah. Et t'as bien compris. On veut plus te voir ici. Bandit, un jour le monde entier saura. Saura quoi? Comment vous avez constitué votre collection? En volant de pauvres indigènes, en pillant des tombes. Débarrassez-moi de cet individu. Ah non, vous n'allez quand même pas... Laissez, monsieur. Je ne resterai pas une seconde de plus dans cette maison de voleurs. Ce misérable petit trublion ne mérite pas tant d'attention. Messieurs Spirou et Fantasio, je présume? Oui, nous-mêmes. Messieurs, vous êtes dignes de votre réputation de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Oui. Suivez-moi, voulez-vous? Je vous conduis à la salle d'exposition. Figurez-vous que cet importun s'est incrusté chez moi sans y être invité. Quel toupet! Cette statue est magnifique, comme toutes les pièces de la collection, d'ailleurs. De Guy Machin-Chose travaille avec tout un réseau international de rabatteurs et de trafiquants, à ce qu'on dit. Regarde ce drôle d'animal, Spip. Comme il a l'air triste. Oh! Par le grand kangourou! Hein? Quoi? Que se passe-t-il? J'ai vu Spirou et Fantasio! Ils étaient avec l'opossum. Spirou et Fantasio? Oui, les amis du grand vieil homme sage de Champignac. Eux peuvent nous aider à ramener l'opossum. Mais comment? Comment les prévenir?
Le téléphone le plus proche est à 600 km. Non, non. Je dois les contacter par un moyen plus sophistiqué. Il faut agir vite, vénérable Kalulong. La terre a soif. Le désert exige le retour de l'opossum. On est content de quitter cet endroit. Pas vrai, Spip? L'abondance des précipitations fait craindre des inondations dans le sud du... Et des inondations, maintenant. La pluie, toujours la pluie. Oh, mais ça commence à devenir le déluge, ma parole. Tiens, mais c'est... Pourriez-vous me conduire... Oh, c'est vous! Le temps presse, bientôt nous serons à court d'eau. Les pouvoirs de Kalulong sont grands, mais je me demande comment ils comptent faire. Vous avez l'air d'en savoir long sur les activités de Nerbo de Kiville. Ah, si, oui. Hein, n'est-ce pas? J'ai trouvé la trace de ses agissements à peu près partout où j'étais en mission. Hélas, je manque de preuves et de Kiville bénéficie de nombreuses complicités. Mon ami et moi-même sommes journalistes. Que diriez-vous d'un bon dîner chez moi, monsieur... Donahue. Walker Donahue. Chercheur en ethnologie à l'université de Perth en Australie. Ah, l'Australie, terre d'aventure et de mystère. Un bon souvenir. Tu crois qu'il dort? Je crains plutôt le coup de chaleur. Oh! Par le grand kangourou! Mais qu'est-ce que... Cette statuette d'opossum, je l'ai étudiée sur son site dans le désert. Quand j'ai su qu'il faisait désormais partie de la collection de ce bandit, je lui ai proposé de la racheter au prix fort pour la rendre aux aborigènes, mais... Oui, on a vu. Il a refusé. Il m'a rayonné. Et il a ajouté que ces sauvages n'avaient qu'à en sculpter une autre. Quel mépris! Tonnerre! Il y a quelqu'un chez toi, Spiro. Oh, un cambrioleur! Chut! Non, tenons! Oh, ah. Dis donc, Spirou, si c'est un truc pour nous épater... C'est étrange. On dirait un sorcier aborigène d'Australie. Kalulong! C'est Kalulong! Tu te souviens, Fantasio, notre aventure en Australie? Oui, oui, je m'en souviens, mais... Il aurait dû téléphoner avant de passer nous voir. Salut à vous, mes amis. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai besoin de votre aide. De notre aide? Oui. Bon, en quoi pouvons-nous vous être utiles, cher de Kalulong? Il faut libérer l'opossum de sa prison de lumière et le ramener sur la terre de ses ancêtres. La statuette de l'opossum? Loin de son arbre sacré, les larmes de l'opossum seront déluge et le vieil eucalyptus périra des feux du soleil. Ça, c'est pas banal, hein. Vous avez entendu, c'est une catastrophe! Le déluge, la sécheresse, il faut absolument récupérer la statuette! Et si vous nous expliquiez, Donahue? La statuette de l'opossum a un pouvoir magique. Elle apporte de l'eau au territoire des aborigènes. Mais elle est maintenant ici, en Europe. Et tant qu'elle sera ici, elle ne pleuvra plus là-bas. Le bush australien subira sécheresse et désolation. Et nous? Déluge. Oui, l'opossum pleure d'être loin de chez lui. Tant que la statuette restera ici, l'opossum pleurera et il pleuvra sans arrêt. Le niveau des eaux a atteint son record. Effectivement, la ville basse est déjà en proie aux inondations et... Quoi, récupérer la statuette, c'est facile à dire, mais comment faire? Peut-être tout raconter à ce truc machin de Kiville? Ce Péotien n'en croira pas un mot. On peut quand même essayer. Sinon, je ne vois qu'une solution, se passer de son accord. Tu veux dire, voler la statuette? Vous? Vous y songez sérieusement, Spirou? Allô? Ah, bonjour, monsieur le comte. C'est grave et urgentissime, Spirou. Il faut absolument ramener l'opossum en Australie. Quoi? Mais comment êtes-vous au courant? Kalulong, enfin son double ectoplasmique, m'a rendu une petite visite et m'a tout expliqué. Et maintenant, Spirou, à moi de vous surprendre. Ne me dites pas que vous songez à faire de nous des...
Des cambrioleurs? Eh bien, à vrai dire, nous n'avons pas le choix. Le temps presse. Et je connais ce Guiville. C'est un gredin de la pire espèce, croyez-moi. Je vous crois, monsieur le comte. D'ailleurs, j'en étais arrivé à la même conclusion. Maintenant, Spirou, écoutez-moi. J'ai déjà un peu travaillé au problème et voici ce que je vous suggère. Vous voilà enfin, sac à papier. Vite, vite, je t'empêche. Moi, ici, il ne pleut pas. Je déteste la pluie, je hais les inondations. Vous disiez? Ça vient de Champignac. Qu'est-ce que c'est? Un micro-robot. Le comte veut que je le dépose discrètement chez Nerbeau de Guiville. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ignore. Ah, voici mon taxi. A tout à l'heure, Walker. Viens, Spip. Rendre la statuette aux aborigènes. Allons, monsieur Spirou, ne me dites pas que vous croyez à ces stupides superstitions de sauvages arriérés. Ces inondations ne sont pas des superstitions, en tout cas. Et elles tournent à la catastrophe. Alors, qui sait, même si vous n'y croyez pas, rendre cette statuette ne serait pas pour vous un grand sacrifice. Tous ces objets sont à moi, à moi, à moi seul, vous m'entendez? Vous n'imaginez pas ce qu'ils m'ont coûté de ténacité, d'effort et d'argent. Ils ont aussi coûté très cher à vos fournisseurs. Je sais que des villages africains ont été saccagés pour obtenir des pièces comme celle-ci. J'espère que vous avez des preuves, mon cher Spirou. Il est vrai que j'ai dû souvent me montrer assez persuasif. C'est le prix de la réussite. Une espèce de... Spip! Vous voyez que ma collection est bien protégée. Mais ce n'est pas tout. Suivez-moi, je vous prie. Allô? Branchez les systèmes de sécurité. Imaginez une main mal intentionnée. Pour attraper un objet, elle doit couper au moins un barreau lumineux, ce qui déclencherait aussitôt l'alarme. Le moindre choc alerterait mon poste de garde et la police. La prison de lumière dont parlait Kalounong. Mais venez, je vous en prie. Nous n'avons qu'une minute pour quitter la salle. Vous devinez qu'il serait aussi imprudent de marcher sur ce plancher photosensible. Et cette porte est en matériau composite, plus résistant que n'importe quel alliage métallique. Naturellement, moi seul connais la combinaison. Eh bien, c'est très impressionnant. De quoi décourager les cambrioleurs les plus audacieux. N'est-ce pas? Je vous raccompagne, monsieur Spirou. Sabre de bois et un plancher photosensible, dites-vous? Mais ne vous en faites pas, Spirou. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Météo, bulletin de la nuit. Les précipitations exceptionnelles. Mais venons-en à la difficulté majeure, la cage de lumière. Il ne faut en aucun cas rompre les rayons lumineux. Eh bien, chers amis, la solution est enfantine. Disposons judicieusement quatre miroirs. Et voici ce que nous obtenons. Un passage suffisant sans interrompre notre rayon. Very simple, en effet, mais... Naturellement, l'opération sera délicate. Mais nous vous faisons confiance, Spirou. Je ne suis pas Arsène Lupin, mais je ferai de mon mieux. Sapristi, il est déjà 16 heures, mes amis. Avant de tout revoir en détail, nous devrions peut-être songer à la première phase de notre plan. Je m'en charge, monsieur le comte. Un totem guatapaltèque. En effet, ça pourrait m'intéresser. À 300 kilomètres, j'espère que ça n'est pas un faux. Non, non, c'est un veridico totem indio. Si, si, señor. Très bien, à ce soir. Un authentique totem guatapaltèque. C'est inespéré. Il est tombé dans le panneau. Ça y est, ce bandit a quitté les lieux. La voie est libre. Bien sûr, la voie est libre. Si on accepte les brutes en casquette et les molosses. Sac à papier, j'avais oublié pour les chiens. Je vous ai préparé ce petit parfum de mon invention. Mais ça sent fort le champignon, ça. Pour ces féroces canidés, vous serez d'inoffensifs champignons géants. Un déguisement très original, monsieur le comte. Mais j'y pense, et votre micro-robot? Un peu de patience, Spirou.
voilà. S'il vous plaît, Fantasio, pourriez-vous ouvrir la porte? Voyons si cette délicate mécanique a bien travaillé. Formidable. Le plan détaillé du château. Avec les emplacements de chaque caméra vidéo de surveillance et les clichés de leur champ de vision. Nous voilà fin prêts. Non, Spip, désolé. Tu restes avec Walker et Monsieur le Comte. Le patron est parti. Mets le match de foot à la radio. Ah oui, le foot. Nous en sommes maintenant à la 20e minute de jeu et toujours 0-0. Le Vasistas doit se trouver par ici. Oh, bah dépêchons-nous, ces charmants toutous pourraient prendre goût au steak de champignons. Évacuez les victimes des inondations qui ont dû se réfugier sur les toits de leur maison. Saleté de temps. J'espère que ce totem guatapaltèque vaut le déplacement. À toi de jouer, Fantasio. Pas le nez collé à l'écran de contrôle. Ce bon vieux Métomol. Hélas, inefficace sur ce blindage en matériaux composites. Ça y est, nous sommes en communication avec l'ordinateur du comte. Sabre de bois, Spirou et Fantasio ont atteint la porte blindée. À nous de découvrir la combinaison. Le 24, le 7. Le 24, le 7, le 13 et le 35. Sésame, ouvre-toi. Maintenant, Métomol. Après vous, Monsieur Spirou. Si le moindre objet touche le sol, l'alarme sonne dans tous les postes de police de la ville. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, monsieur, la route est inondée sur plusieurs kilomètres. On ne peut pas passer. Allons-y, je passe en premier. Et si cette histoire de magie... Ah, Nerpo, tu divagues. Tout ça n'est que racontard de sauvage. Attention, attention. Alors, l'échappée est belle, hein. Qu'est-ce que c'est que cette épave garée près de chez moi? Je vous ouvre tout de suite, patron. Faites vite, et après, vous irez voir cette vieille camionnette stationnée dans la rue. C'est comme si c'était fait, patron. Non, l'instant de vérité. Mon vieux Fantasio, on joue le tout pour le tout. Oh, je ne veux pas entendre les sirènes hurlantes prévenant toutes les polices du pays. Ça marche. Ce cher comte. Oh, j'ai toujours su qu'on pouvait lui faire confiance. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme sur des roulettes. Ne crie pas victoire, nous ne sommes pas encore... Oh non, non! Spirou et Fantasio. Des cambrioleurs! Il ne nous reste plus qu'à attendre ces messieurs de la police. Spirou et Fantasio en montant en l'air, ça va faire un certain bruit. Vous savez très bien pourquoi nous sommes ici. Rendez cette statuette aux aborigènes. Vous avez besoin de moi, patron? Le cambriolage, c'est ce qui vit. Bandit, voleur! Allons, allons, messieurs. Les voleurs, pour le moment, c'est vous. Les aborigènes seront ravis de retrouver leurs biens.
Pas un geste, que personne ne bouge. Je suis navré, Spirou. Ces messieurs sont intervenus au moment où nous venions à votre secours. Ainsi, monsieur Nerbeau de Guiville, vous portez plainte contre ces individus pour cambriolage avec effraction. Évidemment. C'est le monde à l'envers. Si seulement Kaloulong était là, il vous expliquerait tout, mais... Kaloulong ? Qui c'est celui-là ? Hein ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Sabre de... Il semble que notre ami Kaloulong ait trouvé du renfort. Aux quatre coins de la Terre. Il est temps de rendre ce que tu nous as pris à nous, Pygmées, Inuits, Jivaro, Aborigènes. Allez-vous-en, laissez-moi. Je vous rendrai tout, je vous le promets. Allez-vous-en, laissez-moi. Y a-t-il quelqu'un d'assez aimable pour m'enlever ces satanées menottes ? Oh, tonnerre de soleil. Tout est desséché. On finirait par regretter la pluie, hein, Spip ? Les aborigènes ont bien reçu la statuette de l'opossum et elle a retrouvé la place qui a toujours été la sienne. Amitié à vous tous, signé Denahu. Sac à papier, écoutez ça, Spirou. Le grand collectionneur Louis-Ludovic Nerbeau de Guiville renonce à sa collection d'art primitif pour se consacrer uniquement à l'art contemporain. Et je plains d'avance les artistes contemporains. Tu veux que je te dise ? Eh bien, je me demande si on devrait pas le renvoyer en Europe, l'opossum. Tu crois ? Ah, jump!